Merci, monsieur le DGA, monsieur le président de l'UFD, monsieur le directeur général de l'hôpital, le président général de l'AB, mesdames et messieurs. Ce que je voulais dire, c'est vraiment remercier le donateur. Le geste que vous pouvez faire une importance capitale, puisque rentre dans le cadre de la prévention de la maladie que nous sommes en train de combattre depuis presque un an. Et la petite histoire, je voudrais informer que dans notre région, beaucoup de dispositions ont été prises. Et j'avoue que la communauté a vraiment accepté de collaborer à tous les niveaux, que ce soit les religieux, que ce soit la collectivité à la base, tout le monde en fait a collaboré. Et c'est ce qui nous a aidé jusque-là. Et on n'a pas encore, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, les cas qu'on a eu ici, c'est vraiment le cas. L'abbé, sinon l'abbé n'a pas encore enregistré les cas qu'on a eu. C'est pour ça qu'on a pris. Ils ont quitté ici, qui sont partis à Conakry et qui sont revenus développer la maladie. Donc, je suis sûr et certain que c'est parce que la population a accepté de collaborer de manière là. Et c'est aussi l'apport de tous ceux-là qui ont accepté d'aider la population. Parce que j'avoue qu'il y a eu beaucoup de dons pour nous aider, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Cela a aidé vraiment à faire comprendre la population que le contexte au-delà, c'est un contexte réel. Et que si nous ne prenons pas la main, on ne pourra jamais venir à bout de cette maladie. C'est pourquoi le don qu'il vient de faire rentre dans ce même cadre et nous ne pouvons que le remercier et lui et tous ceux qui sont auprès de lui. Et ce don qu'il dit minime, donc il est très grand. Il est très grand parce que fond de son cœur, il a pensé à la vie qui devait aider la population. Je pense que cela déjà, ce geste-là, simple geste, le simple fait de penser, je pense que ça, ça va, ça nous va droit au cœur et ça va contribuer à la prévention dans notre région, dans notre préfecture, dans notre région, en tout cas au nom de tout le personnel. L'hôpital de référence, on l'a dit ici tout à l'heure, l'hôpital de référence de toute la région de la ville. Nous avons 5 districts sanitaires, tous ces districts sanitaires-là réfèrent leurs malades à l'hôpital régional de la ville. Et si on le fait, ici c'est vraiment là où tout se rencontre, je pense que c'est vraiment très très significatif et nous devons la remercier au fond de notre cœur. Et la lutte que nous avons entre une lutte multisectorielle. C'est vrai que nous avons que le matériel de protection du personnel, vraiment, il existe suffisamment. Ça, il a été suffisamment de matériel de protection des agents. Et c'est ce qui fait que malgré que le malade, le contact, tous ceux qui ont dégagé faire la maladie sont venus. Consultez dans nos structures, vous allez vous rendre compte que comme personnel a été contaminé. Ça veut dire que tous, on est en train de prendre des mesures vraiment, que les mesures existent et que les gens sont en train de les aller. Donc ça, je vous remercie franchement le gouvernement qui a mis ces choses-là à notre disposition. Et tous ceux-là aussi qui sont en train de contribuer à mettre ces choses-là, mettre les choses de valeur à notre disposition.